thème c'est le même parce que c'est la famille. Mmh. Et que à la base je voulais pas faire de suite. Et du coup, ce qui est bien, c'est que si on n'a pas vu le premier spectacle, on peut quand même voir tant bien que mal. Mais le thème est différent et c'est parce qu'il est arrivé une chose dans ma vie qui a fait que j'avais envie de traiter le sujet du deuil. Il n'a visiblement pas bougé de cet endroit jusqu'à ce qu'on le découvre. C'est une joggeuse qui nous a alerté à cette heure. D'après les médecins légistes, il était totalement sobre et son décès a eu lieu entre 3 et 4 heures du matin. On vous a prévenu dès qu'on a su. C'est où ? Au moment où c'est arrivé dans ma vie, je me suis dit que écrire sur ce thème-là, c'était aussi une façon en moi de survivre à ça. Et du coup, c'est tout le côté résilience qui m'intéressait de traiter. Et vraiment de comment. Et de garder à la fois toute la tendresse et tout vraiment l'humour aussi, le chercher à travers ce sujet. Ah, mais vraiment, parce que ça m'agace! Est-ce que t'as vu leur photo sur Insta? Mais c'est insupportable! À chaque fois, elle a des trucs en mode pose iconique. Et moi, je leur réponds, elle me cache juste des vues. Ah, là, j'en peux plus. Je peux te dire que je vais prendre tous les tips de l'été, je vais être en mode cathédrale. La narive iPhone. Oh, en plus, c'est ma mère qui m'appelle. Oh my god, mais elle m'est insupportable. Ça va, j'arrive! Non, let's go! Au final, je me rends compte que c'est un sujet qui est peu traité de cette manière-là. Et ça, quand même, ça rassemble. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir après à la fin du spectacle et qui me témoignent aussi leur expérience. Et ouais, ça, c'est une façon de refédérer, je pense, autour de ce thème-là. Arrêtez déjà que je souffre. Je sais pas, moi, on est là, tout ensemble, à attendre. On a qu'à faire un jour en mode tout ensemble. On a qu'à faire un petit bac, un morpion pendu. Non, c'est pas ça le texte. On a qu'à faire un morpion entendu. Tu prends un petit bac. Un petit bac, un morpion. Ah ouais. Non, mais en fait, soit tu disais les deux, après tu disais pendu, soit tu disais un pendu, après tu dis ah, mais non, on va faire un morpion. Ouais, voilà, ça marchait mieux, non? C'est assez connu qu'il y a plusieurs étapes du deuil, et chaque personnage représente une étape du deuil, en fait. Et tout ça est entremêlé. Il y a une place pour la joie, ouais, parce que quand même, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu, quand les jours qui en fait, précèdent la cérémonie. On est tous ensemble et on est dans le même état. Donc l'état de détresse est celui de celui qui s'est suicidé, mais aussi de ceux qui reçoivent cette nouvelle affreuse. Et du coup, on est quand même ensemble et on est dans un état de fatigue, dans un état d'exaltation à la fois qui fait que, eh ben, en fait, on fait aussi plein de choses pour rester en vie. Et du coup, la joie, elle sort de là, de cette espèce de chose qui nous dépasse et qui fait qu'on a... Ouais, on se met à rire pour rien, on se met à faire des choses qu'on n'aurait pas fait dans la vraie vie. Enfin, c'est assez étonnant d'ailleurs comme processus, ouais. Parce qu'on mange plus, on dort plus, on a mal partout, et en fait on se dit mais on est encore en train de se lever, on est debout et ouais, on se bat quoi. Oui. Oui, c'est moi. Oui, c'est mon fils. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'union fait la force et que à ce moment-là, ils sont ensemble et du coup, ils ont l'impulsion de vie qui revient. Voilà, je le traite sur ces 6 jours-là. Leur petit truc, je pense, c'est de faire à l'envie, hop, vraiment. Et de se dire les choses, évidemment, il y a plein de choses qui ressortent. Et ouais, j'ai mixé ça, en fait, c'est assez dense, c'est une mémoire de 2 ans. Le spectacle. Jean-Marie, je me suis permis d'emprunter TC4, quoi. Voilà, alors le premier poste, quoi, c'est les feuillages, quoi. Voilà, quoi, du coup, il faut couper les feuilles larges, quoi. Du coup, Sarah, Lana, c'est votre poste. Ok. Les feuillages, ça va me rappeler ma jeunesse. Ah, mais ça colle! Ouais, le truc, c'est que ça colle gavé, quoi. Voilà, quoi. Ça colle gavé, quoi. Le deuxième poste, quoi, c'est la manucure. Alors là, il faut vraiment couper les petites feuilles au ras des têtes, quoi, et me passer les têtes, quoi. C'est le poste le plus perfectionniste, quoi. Du coup, Jean-Marie, c'est ton poste, quoi. Eh bien, si Titou nous voit là-haut, il doit halluciner, quoi. Calme, quoi. Voilà, quoi. Moi, du coup, je suis au poste 3, quoi. Je sèche avec le sèche-cheveux, quoi. Et vous jouez tous les personnages, ouais. Comme vous en avez l'habitude. C'est pourquoi c'est important de jouer tous les personnages? Pourquoi vous ne dites pas à un moment donné, ben, je vais faire intervenir d'autres comédiens? À chaque fois, c'est parce que c'est des thèmes qui sont très proches de moi et que cette forme, maintenant, je l'adore. Parce que, en fait, elle raconte aussi, théâtralement, ça raconte aussi la force du théâtre, c'est-à-dire le théâtre où juste c'est le corps qui est au centre. Là, en plus, il y a la musique, donc ça, c'est trop bien parce qu'il y a tout un univers sonore qu'on a créé. Et du coup, ça rythme aussi beaucoup le spectacle. Ça fait exister. Nico, le musicien qui est là, ça fait aussi exister la personne défunt. Et cette présence-là, elle est assez forte dans tout le spectacle. Et parce que je trouve que, ouais, ça...
en jouant moi qui joue tous les personnages, ça crée cette... Avec l'imaginaire, ça rend encore plus les choses puissantes, je pense. Après, je pense que ça très bien, ce serait très bien avec d'autres... On pourrait le jouer à 8. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'est un effort physique et mental particulier de jouer tous ces personnages, parce que j'imagine bien que pour qu'ils soient incarnés, il faut qu'il y ait une voix différente, il faut qu'il y ait des gestes, un corps différent, presque à chaque fois. Mm-hmm. Ah bah oui, c'est un gros travail pour créer des archétypes, quoi. Chacun est un archétype et en plus, il représente, voilà, il y a les petits, il y a les tout petits, il y a vraiment les parents, et puis au milieu, les frères et sœurs, et puis je fais aussi jouer un peu l'extérieur, à peine, quoi, mais... Mes cartons, ils sont tous là. Classé par poids. Ok, tu nous aides à faire ce ta mère, s'il te plaît, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces cartons? On les vide, on les remplit. Allez, on les... La musique, elle a son importance dans ce spectacle, il n'y en avait pas avant. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Pourquoi ça vous a semblé nécessaire de rajouter un musicien? Alors, j'avais envie un peu de faire évoluer cette forme de jeu, de ne plus être toute seule au plateau. Et surtout, moi, je ne suis pas musicienne. Et quand j'ai commencé à penser ce spectacle, je l'ai pensé avec une batterie. C'était évident pour moi. Je voulais une batterie parce que, on l'apprend dans le spectacle, mais parce que mon frère jouait vraiment de la batterie. Et du coup, c'était, je voulais cet élément-là. Et autour, on a créé après toute une musique, et on a rajouté des instruments. Et... Ouais. Au départ, c'est un sujet qui me touche, auquel moi j'ai envie d'apporter des pistes de réflexion pour les gens. En fait, je me dis si ça part de l'empirisme, de ma propre expérience, et ensuite, une fois que j'ai choisi mon thème, là j'enquête, là je lis, je vais écouter, je prends des témoignages, je regarde des films, je prends des lectures, vraiment. Pour Grain, celui d'avant, c'était sur la folie, et c'est pareil, c'est que ça m'a touché de près. Et après, je me suis inscrite à la fac, je suis allée faire des recherches, voilà, j'ai eu accès à des dossiers, et là, c'est la même chose, quoi. Et je prends énormément tout ce que j'entends. Ouais, autour de moi, vraiment, vraiment. Un buvard. Ouais, c'est ça. Et je note, et je note, et je note, ouais. Et j'enregistre au dictaphone. Ouais. Et pour le jeu, c'est pareil? Est-ce que vous vous calquez sur des gens que vous connaissez? Au départ, ouais, bien sûr. Je commence par imiter, et ensuite, je transforme. Et le prochain thème, du coup, ce sera un spectacle, mais là, je pense qu'on sera plusieurs au plateau. C'est une volonté aussi. Et en même temps, j'écris, j'aimerais écrire aussi pour le. En faire une série aussi, quoi. Je mène les deux projets à la fois, en parallèle. Et là, le sujet, c'est sur la responsabilité. Comment on se sent concerné par les choses auxquelles on assiste en tant que témoin. Et, voilà. Et plutôt dans le domaine du couple ou de l'amitié. Jean-Marie ! Ah non, attends, c'est pas du tout ça, je fais n'importe quoi. Je claque, tiki-tiki-tiki-tiak. Ah non! Ouais, pas du tout.